Now, I want to talk about the run that happened this morning and the charity that the run was for. The charity is basically for the National Federation of Women for Argan. It was created on March the 8th, 2021, by the initiative of the women of the Argan sector of 8 provinces, mostly in the southwest of Morocco. It's an organization that helps support over 40,000 women from the region whose main source of income comes from argan trees. Now, actually, this process, by the way, is really, I've just found out about it. Argan trees produce fruit, right? That fruit is eaten by goats who climb up the tree and they stand on the branches and they hang around there for a quarter of the day just grazing. A quarter of their day, they are eating this fruit. Now, the fruit is digested, but the nut of the fruit is not. And that lands on the ground, and that nut produces oil which sells on the market. Fascinating environmental process, I think. That's a biodiversity process, whatever it is. Really interesting. But to tell us more about this, I want to bring on, please, the president of the Federation, Jamila Idbouros, to tell us about the aims of the organization. So give a big hand, please, for Jamila. So yes, Jamila, tell us about the organization. Thank you very much. I'm Jamila Idbouros. Ladies and gentlemen, good morning. On behalf of the women of the National Federation of Argan Tree, I would to say مرحبا بكم في المغرب. Welcome to Morocco, to Agadir, Taghazout. It's an honor for me and for women of the Federation of Argan Oil to receive this prize. Thank you very much. It means a lot. Ladies and gentlemen, excuse my English. If you don't mind, I will continue in French. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais présenter la Fédération des femmes de la filière d'Argan, qui a été créée le 8 mars 2021 pour défendre les intérêts des femmes de la filière de l'Argan et aussi comme cet argan et cet arbre est l'unique et précieuse source de revenus des femmes de la filière de l'argan. Un produit unique au monde qui est reconnu 2 fois par l'UNESCO en tant que réserve de biosphère en 1998 et aussi reconnu en 2014 comme inscrite de la liste des savoir-faire ancestraux. Et aujourd'hui, en 2020, il est reconnu par la proclamation des Nations Unies comme journée internationale de l'argan. Ce produit, il est unique et c'est la seule source de revenus des femmes. C'est pour ça que l'ensemble des femmes des coopératives, ils participent à la préservation et la sauvegarde des richesses de l'arganerie. Des richesses de l'arganerie pour un développement durable. Aujourd'hui, on compte 18 500 femmes membres de la fédération avec 370 coopératives dans les 8 provinces. Nous avons travaillé sur 3 projets fondamentaux avec l'appui de plusieurs partenaires. C'est des partenaires institutionnels et aussi des partenaires du secteur privé. Nous avons travaillé sur le programme de deuxième chance pour elles, pour aider l'ensemble des femmes des coopératives à continuer leurs études et avoir les certificats de scolarité de primaire, de collège et aussi pour avoir leur baccalauréat. Et au moment de post-Covid, nous avons travaillé sur un programme de décommerce digital solidaire, d'où il y a la formation des filles des femmes des coopératives pour création des vitrines e-commerce, de les aider à commercialiser leurs produits. Aujourd'hui, le dernier projet, et c'est un projet qui tient à cœur à la Fédération et à l'ensemble des femmes, c'est le projet d'aide sociale et médicale à domicile qui a été porté par la Fondation de Sud pour la solidarité et le développement.
et en partenariat avec la délégation régionale de la santé et aussi avec des partenaires du secteur privé et partenaires institutionnels. Ce projet consiste à apporter des aides médicales et aussi sociales et aussi un soutien psychologique et une banque alimentaire et vestimentaire pour l'ensemble des femmes des coopératives qui sont dans la réserve de biosphère et dans l'arrière-pays, et pour leurs familles et aussi pour l'ensemble des personnes âgées et les personnes isolées et les femmes aussi enceintes. Aujourd'hui, il y a 10 infirmières qui étaient formées et, par l'association des cliniques privées de ce SMASA, qu'on remercie énormément pour leur soutien, qu'ils ont formé l'ensemble de ces infirmières pour apporter ces soins directement aux bénéficiaires. Et on a, dans le cadre de ce programme, 5 unités mobiles équipées et une voiture de coordination pour faciliter la coordination au sein des villages. Il y avait un système de GPS pour faciliter la mobilité, l'accessibilité des villages isolés. Alors, on compte aujourd'hui de continuer, parce qu'il y a le lancement dans 2 provinces, il y a Atiznit et Tafraout, et c'est cet cercle, et aussi à Agadir et Daoutanen. Et aujourd'hui, on va continuer dans les autres provinces pour avoir plus de personnes bénéficiaires. Nous avons visité aujourd'hui 250 villages. Et à peu près 22 600 personnes qui ont été diagnostiquées et bénéficiées dans le cadre de ce programme. Et je vous remercie toutes et tous pour votre aide et pour votre soutien et pour le choix de notre projet. Merci infiniment. Merci beaucoup. Reste ici, reste ici. Yeah. Reste ici. Pourquoi, Jonathan? I'm saying Jonathan in the French. Please come on with the check from this morning's 5K run, which went really well. You were on it. Well, absolutely. Yeah. Great. Very good. So please, off you go. Fantastic. Thank you so much. Thank you. Thank you.